Bonsoir Strasbourg. C'est un accueil au son du djembé de Fanuel, chef de chœur de la chorale Angel's Voice. Nous sommes en l'église des Dominicains à Strasbourg, un soir de concert caritatif. Angel's Voice existe depuis 2017 à Souffle. Partis avec quelques choristes, ils sont aujourd'hui une trentaine à chanter. Au départ, c'était pour l'amour du gospel. Maintenant, c'est l'amour du gospel et un vrai projet pour le Togo. Un projet à l'échelle d'une grande maison dans le village d'Agomeyo, village natal de Fanuel, au nord de Lomé. Objectif, construire un centre de loisirs et d'orientation professionnelle pour les jeunes. Ça me tient à cœur ce projet parce que quand je compare vraiment comment les enfants et les jeunes sont encadrés ici dans les milieux de centres aérés, centres de loisirs, les périscolaires et autres, moi je n'ai pas vécu ça à mon enfance, donc du coup c'est une chance que je veux donner aux jeunes de l'Afrique pour pouvoir aussi bénéficier de ça, quelque chose de concret. Le projet lancé en 2012 est porté par 5 chorales dirigées par Fanuel. Le gros œuvre est terminé, il reste tous les aménagements intérieurs à réaliser. On a des enfants, c'est l'avenir, c'est la joie et on doit les aider. C'est aussi notre façon de faire vivre ce centre et aussi de nous faire vivre parce qu'on n'est pas seul, on est frères en humanité. Concerts, mariages, baptêmes, enterrements, fêtes, communions, Angel's Voice s'investit pleinement pour financer le projet Togo Arbre de Vie, un projet humanitaire qui dépend de vos dons.